Salut les fanzous, on se retrouve pour le pronostic de Fastlane 2017 avec Schmilblick. Salut, salut à tous. Donc on commence par le kick-off, un tag team match des Cruiserweights, donc Rick Swan, l'ancien champion, avec Akira Tozawa. Ne pas confondre avec Akira Toyama qui est Dragon Ball Z. Super. Et donc Noamda Brian Kendrick. La pute version homme. Donc moi je pense que c'est les Face qui vont emporter, donc Swan et Akira. Je suis assez d'accord, malgré que Brian Kendrick, moi je l'aime bien. Moi aussi. En plus, il voulait prendre sous son aile Akira. Exact, bon, ouais, à ses débuts, ouais. Le jab, il a pas l'air vraiment d'avoir envie. Hein. Il a pas l'air d'avoir envie, mais il a l'air très très fort. Je pense qu'il va faire un début assez fracassant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le vois très bien gagner. Les Chuan, je l'aime pas, mais bon. Moi, je suis plus pour Akira dans le groupe des deux-là. Et en tout cas, Kendrick, moi je supporte quand même, mais je pense qu'ils vont effectivement perdre. Donc on enchaîne. Avec le WWE Universal Championship, match simple, KO, gros port Owens contre Goldberg. Alors, moi pour être honnête, je voudrais bien Goldberg prendre la ceinture pour plusieurs raisons. Déjà de une, ça me paraît un peu prévisible. D'ailleurs, pour moi, Raw est vraiment un peu prévisible. Ouais, et surtout, je verrais bien un match KO Jericho pour le titre US de Jericho à WrestleMania. Je suis tout à fait d'accord. Donc moi aussi, je pense que Goldberg remporte le titre. Et donc, on a vu dans les derniers shows que Jericho et Owens vont rentrer en rivalité. Et oui, c'est arrivé. Et donc, effectivement, il y a possibilité que Jericho intervienne lors de ce match entre les deux. Un roman d'amitié entre Owens et Jericho, c'est tombé à l'eau. Très bien. Et maintenant, single match de Big Dog Roman Reigns versus Braun Strowman, colonel. Alors pour moi, il n'y aura pas de vainqueur dans ce match. Je vois bien un double décompte à l'extérieur ou une double DQ. Et je verrais bien même Taker intervenir indirectement dans ce match pour ouvrir la rivalité entre Taker et Reigns. Ouais, encore une fois, je suis assez d'accord. Alors moi j'ai deux théories. Soit Reigns remporte le match et il met fin à la rivalité entre lui et Strowman, puisque on sait très bien que Reigns va entrer en rivalité avec Taker environ, je pense, vers WrestleMania, plus ou moins. Sachant qu'il a éliminé Taker au Rumble, j'étais assez deck d'ailleurs en fait. Et donc il y aura la rivalité qui devrait commencer vers WrestleMania ou un peu avant et après, entre donc Taker et Reigns. Et effectivement, ou alors la deuxième théorie que j'ai, c'est que Taker effectivement intervienne lors de ce match et fasse un coup de pute. Donc éclate Reigns et Strowman gagne. Donc je sais pas, j'hésite entre ces deux théories là, soit Reigns gagne, soit Strowman. Forcément il y aura un des deux qui va gagner, mais je sais pas sous quelles conditions. Je rejoins un petit peu Schmidt là-dessus. Taker risque d'intervenir, effectivement. Ensuite on a le Cruiserweight Championship, match simple, avec Nero contre Jack Gallagher. The King of the Cruiserweight contre The Gentleman. Donc pour moi, moi j'aime bien Gallagher, il me fait marrer, mais bon, Neville, il va quand même gagner, je Gallagher, pense. Gallagher, c'est une ladies boy, arrête. Il est marrant avec sa petite petite moustache, là. C'est un trou de cul. Son parapluie. A cup of tea. Un cup of tea, motherfucker. C'est ça. Cette putain, il me saoule, ça va être. Non, je pense quand même que Neville va l'emporter, et je verrai bien le fameux six-man level match. Ouais, effectivement. À WrestleMania pour le Cruiserweight. Tout à fait. Et donc, je te laisse dire qui tu verrais dans ce, moi, ce match-là. Je verrais bien Neville, Gallagher, Rick Swan, Akira, Brian T.J. Kendrick. Perkins aussi. T.J. Perkins pourrait et participer. Et T.J. Perkins, mais j'aimerais bien qu'il y ait Austin Harris. Ah oui, ça serait beau. Ça serait beau qu'il reprenne le catch, quoi. Ouais, à voir, ouais, effectivement. Ouais. Donc s'il serait là, je le mettrais à la place, je pense, de Jack Gallagher. D'accord, ouais. Ou de Noam Dar, d'ailleurs. Ouais, Noam Dar, je vois pas de nom. Moi non plus. Bah, moi pareil, hein, moi je suis clairement pour Neville, hein, j'ai déjà dit, je l'aime bien, il est chaud, il est bon, il avait annoncé qu'il serait le champion, il l'est, donc je pense qu'il va éclater Gallagher sans trop de difficultés. Après, on peut peut-être avoir quand même quelques petites surprises concernant Gallagher, mais bon, je ne vois pas trop gagner à ce match-là. Ensuite, les Raw Tag Team Championship. Donc, ma match aussi simple. Karl Anderson et Luke Gallows, The Club Sandwich, versus Enzo Amore et Big Cass, Soft. Moi je dirais que c'est l'équipe Enzo et Cass qui devrait remporter ce match. Alors maintenant, effectivement, Schmidt n'est pas d'accord et lui, je pense l'inverse. Le club. Pourquoi? Bah, parce que en fait, j'aimerais plutôt que le Soft prenne les ceintures à WrestleMania. Soft qui peut. Mais même
Après, je suis même pas convaincu que Sauf va une fois gagner les ceintures. Ouais, c'est pas faux, ouais. Bon, après, il y aura certainement peut-être des interventions. On a vu notamment Notamment Cesaro chez Los. ou Jinder Mahal, Ouais. Rusev. Ouais. Et Attention, la méfiance. La c'est en slip. Ensuite, on a le WoW Women's Championship. Match simple, encore une fois. Bayley contre Charlotte. Bayley, Charlotte. Il y en aura le cul. Du revu. Mais bon. Et ça va se mettre. Encore une fois, du revu, Charlotte. On se croirait un match Swagger contre Rusev. Le match hashtag sert à rien, numéro 56, quoi. Plein le cul. Bon, je pense que Charlotte va continuer d'être invaincu en pay-per-view. En pay-per-view, ouais, en tout à fait. En pay-per-view. Référence au dernier épisode. Voilà. Et elle passerait donc maintenant, je crois, à 16-0. 16-0, ouais. Queen of the pay-per-view. Effectivement, donc moi Bayley, Charlotte, j'en ai plein le cul, honnêtement. Bayley commence à me sortir par les trous de cul, on la voit trop, elle parle trop, c'est un peu une enfant quoi, elle me saoule. Elle mérite pas spécialement son titre, sachant qu'elle fait pas des super trucs en match. Elle perd. Elle gagne souvent avec des raisons à la con. Charlotte fait 56 tombées, elle y arrive pas, Bayley en fait un ou deux, c'est fini, donc c'est n'importe quoi. Et Charlotte, effectivement, c'est la reine, the queen, et moi je pense qu'elle va gagner. Qui nous ramènerait à une rivalité pour WrestleMania avec un fatal four-way. Et je me dis qu'il est d'accord. Je voulais te dire, mais moi je pense que Sasha Banks va vouloir intervenir dans ce match, elle va vouloir aider Bayley, mais elle va se louper tellement. Elle va soirée, ouais. Elle est conne, et Charlotte va l'emporter. Voilà. Ce qui nous ramène au single match entre Sasha Banks et Nia Jax, le monstre. En fait, en gros, c'est Braun Strowman version femme. Ouais, Braun Strowman femme contre Kurt Hawkins version femme. La belle contre la bête. C'est ça, la belle contre la bête. Donc je pense que la belle va... Non mais qui est belle des deux, honnêtement? Bah aucune des deux, mais bon. C'est la belle contre la bête. C'est ça. Non, je pense que Banks va l'emporter, je sais pas comment elle va faire, mais elle va s'en sortir. Elle va faire un coup de pute, comme ça. Ouais, je suis d'accord, en fait, on est tous les deux d'accord là-dessus. Match hashtag sert à rien. Banks gagne contre Jax. Terminé. Voilà. Over. Over. Maintenant, pour notre plus grand plaisir, on va faire Owens Goldberg. A tout de suite. Universal. Let's go. Let's go. Chavo. Do it. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE Universal Championship. C'est parti pour le match. Si. Avec la cinématique magnifique Goldberg. Il était quand même magnifique, ils viennent me chercher Nick Leroy. Tu m'as cassé mon moment, mec. Je voulais qu'on chante à deux, mec. Connard. Goldberg. Goldberg. Il était vraiment bien chauve. J'aime les crânes luisants. L'aéroport à mouche. J'aime les crânes luisants. Avec un reflet de lune. Vas-y, montrez-moi. Ah oui, attention, okay, un moment, vas-y. Epic moment. Allez Goldberg, fais-le. Mais putain, tu vas les faire. Fais-nous plaisir, putain. Esso. Super. Esso. Esso. Hier, yeah, les belles essais de Goldberg. Allez. Tout propre. Magnifique. Mais tu vas appuyer sur... Ah oui. Ça me colle, j'entends, tu m'as. On se remet la tête en place. Et maintenant, on va accueillir le plus gros de tous les champions. Je vais accueillir personne, en fait. Il remporte le titre direct. Le plus gros de tous les champions. Ouais, le plus gros, ouais. De tout. Ouais, ça c'est vrai. Kekette Owens. Kekette Owens. Hop là. Allez, on va ton nom et on se casse. Allez. Au revoir, Owens. On m'a les couilles. Donc, Nick Leroy et Goldberg. Je vais qui est Owens. Le mec gavé, quoi. Oh putain, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, ouais. Je sais ce que c'est. Oh yes! Oh, you never saw head at hair! Dégage. J'ai rien dit, mec. Et c'est parti! Let's go! Oh super! On a fait quoi? Mais je t'ai pété la main ou quoi? On a fait quoi? On a fait quoi? Si, allez, je te lâche le doigt. T'es sérieux? Non, mais on a fait quoi, mec? Je sais pas. C'était trop bien. Yeah, par la loupeur! Et enfin, un surpassement de Kevin Owens. J'ai jamais de la vie, puissant, vrai. Il est tellement chaud, Kevin Owens. Même que dalle, mon gars, il va perdre comme une merde. Regarde-moi ça. Bravo, ouais, trop fort. Trop bien. Ma fesse. T'es sérieux, là? Tiens, bouffe ça, plutôt. Bon, pas possible. Contré. T'es sérieux? Tiens.
Mais non. Non, en vrai, il fera jamais ça. Attitude, Jeff. Tiens, attitude que dalle. Attitude, ma bite. Ouais. Tiens, regarde. T'as le gars, t'as plus en bras, quoi. Bah ouais, mec, c'est ça la vie. Oh. C'est ça quand on est un vrai champion. C'est pas drôle. Donc on bat 3 fois par an et on gagne à chaque fois. Mec, je suis gros, laisse-moi tenter de relever. Tiens. Contre. Tiens, putain, regarde. Putain, t'es sérieux là? Yeah. T'as, ça fait comme le match en vrai entre les Snyder et. Ouais, c'est ça. Et Goulbul. One spear, one jackhammer et champion. Oh, bien. Tiens, mon Paul. Et contre. Et tiens. Le mec, il passe plus de temps au sol qu'au chose, quoi. Putain. On a un champ contre un cochon. Porky. Oh. Porky Owens. Mec, Porky Owens. Contre Spangy Goldberg. Spangberg. Super. Caca. Non. PO. Ah, moi, beau, c'est PO. Porky Owens. Il est beau, celui-là. C'est pas mal. T'es, j'étais bien tiré. Mais t'es mes jeux dedans ou quoi? C'est ça. Fait l'assiette, mon GoPro. Tiens. Merde. Ça va rater, mec. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va allez, rater. Allez, monte le gros. Il arrive pas à monter, mec. Rolling Stilton. Même pas. Mais sur le son du coup, c'est la merde. C'est la merde. Je vais faire autre chose, moi. Je vais faire autre chose. Contre. C'est pas vrai, putain, mais contre. Ah non, recontré. Et pas recontré. Et pas contré. Merde. Allez. DDT ou quoi? Ah non, ouais, c'est DDT. DDT! Fucker! Tiens! T'es comme. Go! T'es comme si t'étais une petite pute. Il est chaud, mec. Et qu'il tape la tête, ça. Yes, it's a va mourir. Merde, putain, c'est sérieux, quoi. Bam! German Suplex de Goldberg. Qui a son screw spécial. Exactement! Son spear! Exactement! Le spear de Goldberg! Tout! Au contraire! De sérieux! Contré par Kevin Owens. C'est de la merde! Je suis dégoûté! T'es ici, Connor! J'arrive. Contré! Eh non, ce n'est de pas, sérieux? Ce n'est pas le Fisherman Friends! C'est le Burger Meister Friends! Burger Meister! Meister! C'est le Burger Meister! Tiens! Que dalle! Au revoir! Tiens, gros pot! Ouais, il est beau ça! Putain de merde! Yes! Yeah! Burgermeister! T'as les James! T'as vu, je suis enchaîné avec! T'as sa pleure! De Goldberg! Il a tenté un saut, mais de l'autre bout du ring! Et ça a marché! Et ça a marché peut-être! Avec le bug du jeu! Oh yes! Easy headbutt! C'est beau, placé putain. Par Goldberg! Tu vas putain, Goldberg! T'es mes mecs, je t'enchaîne! Qui détruit Kevin! Sans déconner, d'habitude, je suis pas aussi bon là! Ah mais mec, j'ai mon finisher, suffit que je puisse le coup passer. Mais qui court et... Le tombé de goût. Oh, mais... Ton mec cassé, t'es sérieux. Rob j'suis Break. Dégueu. Tiens. Pop, 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 pop. Oh, le contre de Goldberg qui coûte la pop, pop, pop. Bon, le mec qui peut placer son Jackhammer. C'est trop beau. Jackhammer, yes. Attention, yes. Jackhammer de Goldberg. C'est beau. Goldberg, one spear. One Jackhammer, finish, new champion, bitch! Il tente de tomber ou pas? Au revoir, le Jackhammer! Non! Ouais. Excusez-moi. Le tombé de Goldberg, peut-être, Goldberg! Ouais! Ouh, il va être chaud. Et yes! Goldberg remporte la ceinture comme annoncé dans le pronostic. Écrasement total de Owens. Le compte parfait sur le Powerbomb qui. On avait revu ce beau Jackhammer. Qui mène. Oh, Jackhammer! Qu'on a. Ah, là, on voit. Magnifique! Et le petit tombé d'air. Voilà ce que vous verrez certainement à Fastlane. Un écran noir. Un écran noir, et puis Goldberg avec ouais, une barbe. Et c'est belle, c'est ça. C'est une barbe qui n'est pas blanche. Il s'est tellement la barbe, Goldberg! Champion, il est seul, Goldberg. C'est beau. Merci à tous. Merci à tous. Donc, le week-end prochain, il y aura donc. Porky et Spangy, fact! Pour le résultat de ce pay-per-view. Les notes. Les notes et. Les impressions. Exactement. À la prochaine! Ciao, ciao, ciao! Allez, à bientôt!